C'est l'unique exemple où Guendarien devrait pouvoir s'inspirer de son œuvre. Son œuvre ne s'arrête pas simplement à la pêche. Son œuvre également, c'est l'éducation, c'est le civisme. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé Samuel Zélé, lui qui a été commissaire du scoutisme ici en Afrique de l'Ouest. Donc nous avons ici un exemple que nous devons magnifier. Ce digne fils de Guendar. Guendar a des valeurs certaines, pétries de dignité, pétries de responsabilité, mais également qui font tout dans la transparence. Ce sont ces valeurs-là que nous incarnons, que nous avons comme exemple de Jacques Sarr. Je suis tout de Elhadji Hassan Sarr. Je suis de Guendar. Je suis communicant, je suis conseiller de quartier. Le jour lui, moi jour Sarr Ousmane Tiané. Mom dafa nekkone nit ku bax doon dimbali napkat yi quel fin de développement moteur or bor yi ngay bishop moko fi créer bo sa amu indi fi ay femmes transformatrices di nit ku bax lolou nit ñi dem xalé yi ba mag te xamuñu ko ñu war ko fatali tay mo waral ñu tuddé ko avenue bi di Sarr Ousmane Tiané mbir mi yop lolou la Sarr Ousmane Tiané suñu dom la suñu mag la suñu mam la mais dafa bok ci développement dëkk bi. C'est ce que j'ai journée aujourd'hui. Je sais que si on a un moteur hors bord, on a pris un gars et on a pris des pagues. Ils ont regardé ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des crédits des machines hors bord. Ils ont fait ça. Le barème, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur pour la famille. C'est un grand honneur pour le quartier. Mais aussi et surtout, c'est un grand honneur pour le mouvement scoutisme africain et international. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sarr Ousmane Tiané est le père fondateur du scoutisme en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal d'abord et par ricochet en Afrique de l'Ouest. Il a eu à représenter l'Afrique, l'Afrique occidentale française de l'époque, à tous les grands événements où devait s'organiser le scoutisme dans le monde. Donc c'est un pionnier, c'est un précurseur. C'est aussi un homme d'engagement et surtout de devoir. Il n'a pas vécu très longtemps, 34 ans, mais il a accompli beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont restées aujourd'hui, donc gravées dans les mémoires et surtout incrustées dans les actes et surtout dans les vécus de l'ensemble de la communauté guendarienne sénégalaise, saint-louisienne sénégalaise. Le cas. De créer une marchandise molle, de créer une petite copie pour moi, les yomb yomb. Pour moi, Sarr Ousmane Tiané. Mom, la nuit, bégal taille, de bégal askanam, parce que nous avons une histoire de notre dote, nous avons fait pour nous payer à gâter. Mom, mon gilet de sauvetage, mon GPS, mon imperméable, avec une nouvelle technologie. Je sais que c'est un peu grâce à moi. Il a dû quitter l'enseignement bon, en demandant une disponibilité pendant 4 ans pour venir organiser ses parents pêcheurs. Parce qu'il avait constaté que l'activité pêche était l'activité dominante du quartier. C'était, disons, en quelque sorte, c'était la source nourricière de l'ensemble des foyers des habitants, mais qu'elle n'était pas suffisamment organisée. Et surtout qu'elle ne nourrissait pas son homme comme il s'est levé. Donc il s'est approché des populations, il s'est approché des siens pour les organiser dans le domaine d'abord de l'équipement en introduisant pour la première fois en Afrique dans la pêche artisanale le moteur hors bord qui permet aux bateaux d'aller plus vite et plus loin et donc d'assurer une autonomie dans le travail et surtout de permettre aux pêcheurs de gagner davantage de temps et donc de se consacrer à d'autres actes, à d'autres tâches. Il a aussi introduit la commercialisation des poissons transformés par séchage, par fumage, par salage et que ces produits-là étaient vendus au-delà du Sénégal, dans la sous-région ouest-africaine, notamment au Bénin, au Togo,
dans l'ancien Haute-Volta, en Burkina Faso aujourd'hui, au Dahomey, devenu Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, principalement. Et ceci a eu comme conséquence, d'élever le niveau de revenus des pêcheurs, de diversifier leurs ressources, mais surtout de réduire les coûts des matériaux et du matériel de pêche. Bon, par contre, cela n'a pas tellement connu, n'a pas tellement plu aux grandes compagnies de commerce qui étaient là, aux grands contrats de commerce, comme les Périssac, comme les Morolleprom, comme les Lacoste, comme les Guyantesser, etc., qui avaient le monopole de ce commerce-là et qui donc pratiquaient des prix souvent assez exorbitants pour la population. Et donc, c'est pour ça, c'est là où l'on combattu quand même. L'on combattu par des rapports, par pas mal d'actes qui donc, avaient pour but de réduire son action, surtout de le mettre en mal avec l'administration coloniale. Mais pour les populations, vraiment, son action a été salutaire. Et jusqu'à présent, donc, on est en train de vivre donc, les répercussions très positives dans l'organisation, dans le métier de la pêche artisanale. Voilà, parce que Ousmane Sarr Tiané est un disciple de Kenda. Ousmane Sarr Tiané était en avance sur sa génération. Le plus petit exemple que je peux donner, c'est à partir des années 80, on a eu les pirogues qui étaient affrétées par des bateaux pour aller pêcher en pleine mer et dans les eaux internationales. Ousmane Sarr Tiané en avait déjà l'idée en 1950 à la conférence économique de la pêche. Il avait demandé à la puissance coloniale de venir acheminer les pirogues dans des bateaux pour les emmener en mer, en haute mer, pour la pêche. Et ça, cette idée ne s'est matérialisée, ne s'est concrétisée avec le secteur privé qu'à partir des années 80. Donc Ndiack Sarr était déjà en avance sur sa période. Ndiack Sarr est un illustre fils, un digne fils de Gendar, qui pour nous est un exemple à suivre. C'est un exemple d'unité, c'est un exemple de courage, c'est quelqu'un qui a le sens de l'abnégation et la persévérance. Donc pour nous, Ndiack Sarr symbolise